Salut tout le monde, comment ça va? C'est toi nos collectes. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture assez sympathique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert des petits coffrets comme ça. Le tripack Clash Rebelle, qu'on retrouve un petit peu partout. Là, en ce moment, il y a eu des petits restocks, genre les trucs de presse ou les trucs comme ça, on les a à 16 balles. Donc j'en ai profité pour en prendre un petit. Et un coffret Simia Braz. Ça nous fera 7 boosters. On espère du lourd, on espère du lourd aujourd'hui. Bon, allez, je déballe ça, on se retrouve juste après. Alors, le coffret Simia Braz, on a quoi? On a deux origines perdues, un astre radieux, un point de fusion. On espère quelque chose. Avec les deux petites promos, le petit Simia Braz et le Pangoléon. Avec les holos Cosmo comme ça. Magnifique. Ces holos-là, franchement, je les adore. Et du coup, le tripack Clash Rebelle avec le petit Duralgon. Pareil, l'holo Cosmo. Toujours aussi beau. Les deux petits codes pour vous. Tac. Et tac. Et on est parti, hein. Le petit pins du coffret Simia Braz aussi. Toujours sympa. J'avoue que j'en garde un de chaque. Depuis des années, dès que je l'ai pas, je le garde. Sinon, ça part en échange ou quoi. Toujours bon, les petits pins. Toujours des petits trucs à prendre un peu partout. Hop, on va se foutre les trois promos qu'on a eu ici. Et on est parti. On va commencer par le coffret Simia Braz. Let's go. Origine perdue en premier. Bah alors? Ah, vous entendez Salem là. Il est pas content, je m'occupe pas de lui. C'est mon petit chat d'ailleurs. Bah ouais. Prends exemple sur ta sœur. Il y a Lumia, une bengale, elle qui est adorable, on l'entend absolument pas. Qui a eu 8 ans. Et qui est toute mignonne, mais Salem, le petit là qui vient d'avoir un an. Ah là là, on l'entend, hein. Il blablate. Hein. Bon, allez, let's go sur l'ouverture. Bras remontoir. Ariama. Spectrum. Makuhita. Archéomir. J'ai même pas regardé si c'était un code noir. Et on se spoil. Code noir. Hexadron. Titar. Allez, donne-moi une TG. Misterbe. Oh, le Pikachu Gold! Je l'avais pas sorti, mais c'est magique! C'est magique cette ouverture là! Ça commence tellement bien, le premier booster! Premier booster magique! Ah, j'y crois pas! C'est lourd, c'est lourd! Et c'est code noir, il y a peut-être quelque chose derrière. Hein. Oh! Mais non! Le Gallame Full Art! Eh, mais le booster! Le premier booster est fou! Le premier booster est fou! Ah, j'y crois pas! Ah, mais je suis refait là! Je suis refait de ouf là! Ces deux cartes qu'on n'avait pas. Si, le Gallame, je crois que je l'avais. Mais le Pika! Parfait! Ça rentre dans l'album des TG ça! Oh là là, mais lourd! Premier pack magique! On vous a là! Ah, j'y crois pas! Cette chance! Cette chance! Bon, on y va, hein. Deuxième booster origine perdue. La même lancée. La même! Redonne-moi Pika Gold, y a pas de souci, je veux le même là. Ah, je suis ouf. Je reviens pas là, le Pika il sort de nulle part. Voilà, code blanc, je comprendrais. Je comprendrais, ouais, le petit code blanc. Je comprends, on peut pas me gâter trop non plus. On va regarder la non-holo tout de suite. Hop, le petit Parasect. Et on est parti. On peut espérer la petite TG toujours, hein. La TG, y a pas de limite, y a pas de code ou quoi que ce soit, ça peut être à chaque booster. Kung Fuin et Lionceau. Allez, Fantominus, donne-moi un petit truc. Ah, le Archéodong. Ouais, je vais pas me plaindre. Hein. Premier booster, il était fou. Il était fou. Hop. Ah, on est parti. Astre Radieux cette fois. Pareil, hein, toujours, hein, les TG qu'on recherche, ça peut être dedans. Il nous manque quelques petites aussi sur ce set. On comprend, j'aime bien les petits medley quand il y a plusieurs sets comme ça et que t'as pas tout fini. Tu peux. Ah, le code blanc. Pas de code noir. Mais au moins tu peux finir, genre, tu peux voir pour essayer de finir un peu tous tes sets. On sait jamais. Bon allez, on sait que c'est une non-holo. Le Paragruel. Mais la TG peut sortir. La TG peut sortir. C'est maintenant. Allez, Electrode. Piolet courageux, Mateloutre,
J'ai dit Matt Loutre. Ouais, c'est Matt Loutre. Quillfish. Moustillon. Hoot Hoot. Scalpion. Médiena. Allez, c'est maintenant. Ah, le Regis. Regis Reverse. Pokémon légendaire qu'on kiffe. Hein. Parmi tous les golems, comme on est team bleu, comme vous savez, bah forcément, Regis, il passe devant. Mais c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on recherche. Mais on va finir avec point de fusion. Pour le coffret Simiabras, dernier booster point de fusion. Il y a un Mantali, il y a un Celebi, il y a un Ectoplasma. Dans les trois, là, il y a... je prends. Celebi, on l'a déjà sorti. Les deux autres, on les a toujours pas sortis, mais l'une des trois, je prends. Il n'y a pas de souci, je vais pas me plaindre. J'allais dire code noir, mais point de fusion, c'est toujours code noir. 1, 2, 3, 4. Oh, j'espère que c'est pas sur la... Ah si, c'est sur celle-là. Eh, j'espère le hit. Si c'est un gros hit, je suis busy. Les points blancs comme ça, on n'aime pas quand ça sort de booster. Allez, on est parti. Décéliande. Découverte de l'aventurière. Écolière. Sablette. Charibari, Grimalin, Frissonil, Onyx, Ariama Reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, ça va être rien du tout, le Kangourex. Mais je vous disais, hein, où est-ce que c'est? Regardez là. Imagine, il me fout une grosse alternative. Bah, je suis mort là, c'est même pas le 9. Hein. Oh là là, moi bon, c'est pas grave, il n'y avait rien. On va pas crier au loup. Il s'est rien passé encore. On est bon, on est bon. Et on est parti pour le tri-paquet Clash Rebelle. Là, j'avoue, il y a des full arts que je veux là-dedans qui sont magnifiques. Clairement, si ça peut sortir maintenant, ce serait fou. Juste une petite envie de rouvrir du Clash Rebelle, ça faisait bien longtemps. Il n'y a pas beaucoup de beaux hits. Hein. C'est pas le plus beau set à faire. Mais... sait-on jamais. Bon, le petit code pour vous, qui est dans le bon sens. 1, 2, 3, 4, et on est parti. Hein. Toujours pas de TG, toujours pas de GG. Il n'y a que la dernière qui paye. Allez, pépite, c'est ça qu'on veut. La petite pépite qu'on a derrière, là aussi. C'est d'ailleurs, j'aurais pu la retourner. Hein. Le premier booster était tellement magique, c'était pépite. Hein. J'aime bien retourner quand j'ai des trucs. Allez, Colombo, Energy Frayer, Psy, Natu, Barluck, Rongourmand, Verpom, Tritonde, Dimocles River, c'est ce qu'il y a quelque chose. Ah, on va commencer par une petite holo normale, le petit Lanceaurien. Le petit Lanceaurien. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Mais on veut mieux là. Là, on veut du 8. Clairement, on veut du 8 sur ce tripack. On a deux Lézargus là pour finir. Eh, donne-moi quelque chose. Un petit truc, tu vois, quand même, pour faire kiffer, pour pas me dire j'achète un tripack pour rien, quoi. Le petit code pour vous, déjà dans le bon sens. Tac, 1, 2, 3, 4. Et c'est maintenant, allez, c'est maintenant, donne-moi le banger, là. Trépassable. Percy. Stade de Greenberry. Grimalin. Magmar. Electek. Oh, le petit doublon, là, Magmar Electek. Duo qui sort comme ça, c'est propre. Merde. Rongourmand, Blizzy, Sapro. Allez. Ah, oh, ça veut pas, hein. Le Miasmax. Ça veut pas, hein, là. C'est pas un beau tripack. C'est pas un beau tripack du tout. On veut mieux que ça. On veut mieux que ça. Dernier booster. La SPAC Magic. Sur la vidéo, là, du coffret Morpeko, on a un joli dernier booster. Ce serait bête de pas perpétuer la tradition, là. Donne-moi un petit truc. Donne-moi un petit truc. Le petit code. On aime finir en beauté. C'est le destin, il est bon avec nous là-dessus. On a toujours un petit truc à la fin. Nous fais pas mentir. Allez, Mascadara. Mascadra, pardon. Chapotus. Vagomine. Creamy. Caninos. Grimalin. Sapro, Bresselom, allez, allez, Charmina Reverse, oh, eh, la SPAC Magic, ça va être une V toute bête, mais la SPAC Magic, le petit Lanceaurien,
Eh, je dis, hein, l'aspect magique, même quand c'est des V, des petits trucs comme ça, il y a toujours un petit hit à la fin. C'est lourd les petits derniers hits. Bon, Salem. Bon, il y aura eu. Ça va être une vidéo feat Salem, hein. Vous l'entendez de fou là derrière. Mes petits résumés, du coup, 4 boosters Simi Abras, bah ouais, premier booster magique, hein. On a eu que ça en vrai. Et sur le tripack, le petit lance-rien. Propre, hein, franchement propre. Bon, voilà. C'est tout pour moi. Prochaine vidéo, bah, comme j'avais dit la dernière fois, ça va être les Pokébox qu'on a eu à Cultura. Les deux Pokébox à 20 balles, là. Elles sont là. Hop. 20 au lieu de 25. Enfin, au lieu de 26, même. Donc, on espère du lourd, là. On n'en a pas ouvert beaucoup, des... car la TVL, là, c'est EV2, je crois, en plus. Donc, let's go. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et peace, hein. Ciao!